Et voilà, là ça doit être bon, on doit avoir le son. Bonjour, quelques petits problèmes techniques, on va se mettre un petit peu de lumière aussi. Voilà, alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, c'est Solomon Kay. Solomon Kay par Tecmo en 1989. Pour l'instant, le son, c'est pas encore ça. Voilà, on a du son. Alors Solomon Kay, c'est un... Attention, quand tu touches la lampe... Apparemment, il y a un petit problème si je touche la lampe, il faut que je bosse un petit peu ma lumière. Solomon Kay, c'est un jeu d'action-réflexion. On incarne Dana, et pas Zul. Dana, c'est un magicien, il peut faire apparaître des blocs, il peut les faire disparaître, il peut aussi les casser avec sa tête. Il a... C'est une tête dure. Il va affronter 48 tableaux qui ont tous des signes du sont en relation avec les constellations ou les signes du zodiaque. En même temps, les signes du zodiaque sont des constellations. Donc, j'ai récupéré deux fées comme on peut voir au-dessus. Les fées, ça sert à avoir un niveau bonus. J'ai un score du temps qui est la vie. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Alors, les jarres, est-ce qu'on peut voir au-dessus, dans le coin en haut à droite, ce sont des bombes, mais ouais, je vais pas être trop gourmand, je vais pas aller chercher. Ce sont des boules de feu. Je peux les récupérer et m'en servir un petit peu plus tard. La fée, elle est montée un peu trop haut pour moi. Je vais aller la chercher comme ça. Donc, Dana est entrée dans un labyrinthe pour aller chercher la clé de Salomon pour sauver le monde. Voilà, niveau 3, on a 3 fées. Shrine, je ne sais plus quel signe du zodiaque c'est. Shrine. Voilà, là, ça va commencer à être marrant. Il y a des ennemis qu'on ne peut pas que je peux pas tuer avec ma. En fait, je peux pas tuer les ennemis avec ma baguette. On va plutôt dire ça comme ça. Non, ça, faut pas que je le fasse. Voilà. Donc, il y a un petit peu de réflexion dans le sens où il faut réussir à piéger les ennemis. Je crois qu'il y avait quelque chose là-haut. Piéger les ennemis, réussir à les éviter. On peut les affronter avec les boules de feu, mais les boules de feu c'est assez rare, donc la clé pour ouvrir la porte, maintenant il me reste la clochette. Allez, j'enlève la tumeur qui se balade, on va appeler ça comme ça. De la tribu, et oui, Dana de la tribu, il fait partie de la tribu de Dana, bien sûr. Alors, je sais pas si. Non, je peux pas récupérer 4 bombes. Donc, mon parchemin, il ne peut avoir que 4 bombes. Que 3 bombes. Là, j'en ai récupéré une quatrième, elle a été gâchée. Si j'avais su, j'aurais utilisé la bombe. Hop là, allez, la fée remonte. La fée. Alors là, vous voyez, il y a le chrono qui est en train de s'emballer. On écoute la musique. C'est que je suis passé en tour des 2000. Merci Dana, tu... Ok, j'ai pas eu le temps de lire. Alors, voilà, là j'ai mis pause et c'est très perturbant dans ce jeu parce qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'on est en pause. Attention, je vais essayer de me remettre un peu de lumière. Ouais, c'est pas mal. On est au niveau 4, niveau 4 en un petit peu moins de 6 minutes, c'est pas mal ça. Alors là-dessus, en haut, j'ai un miroir et le miroir, ça fait des ennemis. Hein.
Voilà, c'était là, c'est juste. Ah, j'aurais pas dû faire ça parce que maintenant il va faire le tour du niveau et il va me casser les pierres. Mal parti là. Ah! Qu'est-ce que je fais? Et oui, on peut éviter les ennemis. Hein. Bon, alors, on va repartir comme ça. Allez, c'est parti. Tu as des bruits de buzz. Alors, les bruits de buzz, ça en fait c'est la pause. Mais la pause elle est atroce parce qu'on sait pas si on a posé le jeu ou pas. Non! Ou pétard. Alors, j'ai pas trouvé la clochette donc j'ai pas la fée. Mais j'attends pas à avoir le niveau bonus. Mais niveau 5, toujours shrine. Pour moi, c'est briller shrine, mais ça doit être un signe. Je ne sais pas. Ouais. Alors là. Bon allez. Ah non! Alors attendez, vous êtes en train de me dire que les boules de feu, elles ne font... Ok, donc j'ai peut-être un peu gâché une boule de feu. Wouah! Ah, j'ai été un petit peu. J'ai pas vraiment réfléchi là. Comment on va escalader tout ça? Alors. Bon. Je pense qu'on va y aller en faisant attention. Ok. Ah, logique. Oh. Je pense qu'en fait il va falloir monter. Ouais, je... Je tenais le bon bout. J'ai pas regardé le chrono, mais j'étais pas mal. Là, c'est quand même pas mal de dextérité, hein. Ah, je faisais des cubes et j'ai absolument pas regardé. Ah là là, dommage. 3 minutes d'émission, il nous reste. Donc, on va. Ah, le continuum reste là. Ok, donc j'ai perdu la clé. On va quand même essayer en 3 minutes. Là, faut que je réussisse à tomber. Thank you.
Waouh, c'est un peu tendu et c'est pas la pièce la plus difficile. C'est ça qui est bon. Shrine toujours. Alors là, j'ai plus mes bombes. Ah là là. Alors ça, je crois que c'est une super bombe. Ouais. Allez, là ça va le faire. Ouh pétard, lui il a l'air méchant. Ouais, alors c'est ça le problème de la bombe, c'est que la bombe elle crame aussi la fée. Donc ça vous fait. Hey, ils m'ont enlevé mes fées aussi, j'avais 4 fées. Hein. Oui, buzz quand tu touches la lampe. Quand je touche la lampe. La lampe. Alors apparemment ça fait un buzz, je ne sais pas. Donc voilà, je crois qu'on est au niveau 7. Ah là là. Alors celui-là, là, je regrette d'avoir utilisé ma bombe. Allez, la verrue, elle se barre. Je m'enferme avec les verrues. Je m'enferme pas avec les verrues. Oh là là! Et voilà, bon, et bah écoutez, la dernière minute est terminée. Donc voilà, c'était Solomon Case par Tecmo. Tecmo qui par la suite a fait aussi Ninja Gaiden, Rigard, la série des Captain Tsubasa sur Super Nintendo, et bien sûr les Dead or Alive et les Ninja Gaiden sur les consoles Play 2, 3, 4 et compagnie. Voilà, niveau 7 sur Full Set NES sur Solomon Case. Merci et à la prochaine!